Français, ce n'est pas François. Alors. Bye beau Serge qui est revenu donc de Belgique en ce moment. Il profite de ses vacances à Abidjan. Ah ouais. C'est le Belgique. on te passe bonjour, cher ami. Allez, hier, donc, on vous refilait certaines informations. Donc, quelques expressions à décortiquer ensemble. C'était, donc, c'est risquant. On vous a dit hier qu'on dit plutôt c'est risqué. Arrêtons de dire au jour d'aujourd'hui et plutôt simplement aujourd'hui ou de nos jours, ou encore à ce jour. Voilà. Amène ton cahier. Non, ne dites pas ça à l'enfant. Voilà, les fautes ne doivent pas commencer à la maison. Il est petit. Apporte-moi ton cahier. Voilà. C'est ça, non? Oui. Ah, d'accord. C'est apporte-moi ton cahier. Ton cahier. Mais ne lui dis pas amène ton cahier. Ah, d'accord. L'apporte-moi ton cahier. C'est vous là. Pas envoyer le cahier là. Envoie le cahier là. L'enfant, en fait, il copie tout ce que font ses parents. Hein, donc, si vous exprimez comme des crabes, eh ben, ils vont reproduire ça en disant bon, ben, mon papa le dit ou ma maman le dit comme ça, donc c'est que c'est bien. Mais, voilà. Pardon, excuse-moi. Je reçois un message d'une jeune dame. Oui, qui dit Tia, s'il te plaît, trouve-moi un correspondant prêt à se marier. Hi. C'est quoi? Enfin, mesdames. Il y a Denis là. Pas il y a Denis qui est là. Avec un cadeau, Denis veut cabré. Cabré. Il n'est pas là. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a Seydou qui est là. Alors, après qu'il soit venu. Après qu'il est venu. Voilà. Après qu'il est venu et non après qu'il soit venu. Après qu'il est venu. C'est bizarre. Je recommence mon explication grammaticale. Vas-y. Alors. Le problème s'est mêlé. Alors, on dit pas quand on dit après que, on n'est plus dans l'hypothèse. Donc on n'est plus dans la condition ni dans le conditionnel, d'accord? Quand tu dis avant que, l'action ne s'est pas encore produite. C'est ça. D'accord? L'action ne s'est pas passée. Donc on parle au conditionnel. Voilà. Avant qu'il ne soit venu, eh bien nous avons préparé à manger. Maintenant, quand il est déjà venu. C'est après qu'il est. Après qu'il est venu, puisque l'action a eu lieu. Donc on n'est plus dans la condition. Mais après qu'il ait donné l'argent. Après qu'il a donné l'argent. Après qu'il a donné. Oui, après qu'il a donné. La fille est partie avec lui à l'hôtel. D'accord? Bon, moi, il ne sait pas. Après qu'il a donné l'argent. La fille est partie à l'hôtel. Qu'est-ce que c'est son transport pour aller? Hôtel qui est près de chez nous, là. Hôtel la banque. C'est moi qui ai dit ça? Ebenezer. On salue toutes les filles de qui j'ai bien vu qu'on est cave à Makori, la cave de Jérusalem. L'Italien est mon berger. Bon, ça va. On termine avec cette expression-là. Il va avoir affaire à moi. Alors, vraiment, ce français-là me fatigue. Alors, il va avoir affaire à moi. C'est ma pauvre qui va avoir affaire à moi. Ça sonne pareil. Il va avoir affaire à moi. Mais comment ça s'écrit? Ils écrivent le A préposition et le verbe faire. Affaire, A, deux F, A, I, R, E. Non, c'est affaire. Affaire comme, je ne dis pas comme bagage, mais voilà, problème. Affaire, voilà. Problème. Mais en un seul mot, quoi. Mais sinon, c'est pas affaire. Et généralement, c'est ceux qui veulent insulter la même qui écrivent comme ça. Il aura affaire à moi. Non, affaire à deux F. Comment on dit ça en anglais, même plus? Pardon. Amen à cause de l'ennemi. Mais les accents qui vont avec. On n'écrit pas à préposition faire comme le verbe faire. Non. C'est plutôt à faire, donc faire du business. Donc dans A, 2F, A, I, R, E. Donc il va avoir affaire à moi. C'est bien noté. On ne dit pas après qu'il soit venu parce que l'action s'est déjà produite. Alors, c'est déjà produit. Donc on dit il va. Après qu'il est venu, après qu'elle l'a donné, après qu'il est venu, voilà. Donc après qu'il est venu, elle l'a suivi. À l'hôtel Hudson. Ah, ça c'est eux-mêmes, ils savent où ils sont allés. Après lui avoir donné de l'argent. Ça c'est bon. Après lui avoir donné de l'argent. Attends. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il y a un message de Brahima Koulibaly. Il dit que est-ce que le fil est joli? C'est pour son frère. Son frère est célibataire, donc il veut voir les photos de les filles. Donc c'est comme ça, Brian va recruter les filles à tout plaisir pour les enceinter. Ma chérie, si un monsieur t'écrit du nom de Brian, sache qu'il a enceinté sa femme qui a accouché il n'y a pas longtemps d'une jolie petite fille qui s'appelle Karidjatou. Ah, voilà.
Et c'est le même gars qui est venu offrir ici à la Saint-Valentin. Un fleurion. Arraché d'une tombe au cimetière de Williamsville. Venu offrir à Tia. Donc c'est pour te montrer que c'est même pas l'homme de ta rue.